الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Monsieur le Président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, et moi, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le gouvernement du district de Bamako, Monsieur le maire de la commune 3 du district de Bamako, chers imams et leaders religieux, Messieurs les responsables des églises catholiques et protestantes au Mali, chers notables de la ville de Bamako, honorables invités, chers participants, Mesdames et Messieurs, au nom du Comité national d'organisation de la 6e édition du colloque international des musulmans de l'espace francophone, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie. La présente édition du CIMEF a enregistré 180 participants, dont 120 en provenance de Algérie, Arabie Saoudite, Belgique, Bénin, Burkina Faso, Canada, Côte d'Ivoire, Émirats Arabes Unis, France, Guinée, Grande-Bretagne, Maroc, Mauritanie, Niger, République démocratique du Congo, Sénégal, Togo et Turquie. Depuis le mois de février, une cinquantaine de frères et sœurs maliens, issus d'une vingtaine d'associations islamiques, sous la supervision du Haut Conseil islamique du Mali, travaillent à la préparation de cette 6e édition du colloque international des musulmans de l'espace francophone. Chers participants, les efforts consentis par les membres de la commission d'organisation visent à réserver aux frères et sœurs venus de si loin un accueil chaleureux au Mali et à créer des conditions acceptables de travail pour tous. À la commission d'organisation, nous sommes conscients de nos insuffisances et nous avons besoin de votre indulgence. Considérez nos fautes graves comme de petites erreurs et nos erreurs comme indépendantes de notre volonté. Chers frères et sœurs participants, nous avons assez vite décelé vos qualités au cours des échanges que nous avons eus avec vous par téléphone ou par courrier électronique et nous avons beaucoup apprécié la douceur avec laquelle vous avez présenté vos doléances. Nous vous exprimons tous nos regrets si certaines d'entre elles n'ont pas pu être satisfaites. Monsieur le Président de la République, honorables invités, chers participants, la Commission nationale d'organisation prie pour que les désagréments que vous avez subis soient traduits en récompense par le Tout-Puissant Allah, lui pour qui vous avez fait ce déplacement. Je vous remercie pour votre aimable attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.